t'ai dit ici là, le pied, vous rappelez ou pas? Dites-le moi si vous vous rappelez pas. Ouais. Là, le pied derrière, d'accord, c'est un grip, comme un barrage en fait. Lève un peu ton pied, voilà ici. Vous voyez celui-ci? Ça, c'est dans les possibilités où je ne peux pas rentrer en dessous parce que l'adversaire reste loin, il ne veut pas que je prenne ma demi-garde. Ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle le John Wayne sweep. C'est-à-dire que l'adversaire vous saisit ici, donc déjà, j'aime pas, voilà, ici, et il vous met la pression là. D'accord? Sa main, elle est placée ici, et donc il vous empêche de venir, voilà, de venir derrière. Une petite astuce qu'on peut faire, c'est venir avec ce pied-là, poser en fait au sol, et mes deux mains en fait viennent saisir en araignée, comme ceci. Donc je suis là, et au moment où il met la pression sur moi, regardez mon genou ici, là. Okay, je fais doucement. Je pose, et le genou ici. D'accord? Quand vous êtes ici, vous lâchez, et vous venez inverser, parce que c'est ce bras-là qui va lui servir pour remonter. Et vous inversez. Donc je suis ici, le gars ne veut absolument pas que je me rapproche, d'accord? Par contre, j'ai mon crochet derrière et le pied ici qui est bien placé. 1, 2, regardez bien, je vais doucement. Je pose et c'est ce genou-là qui va venir taper à la hanche là. Et là, je renverse le point clé, je vous le rappelle. J'inverse, regarde, si je le fais pas, vas-y Teddy, remonte, voilà. D'accord? Donc, je prends mon temps, je suis ici, je fais mon relevé. Encore une fois. Voilà. Le gars ne veut pas que je rentre. Je saisis. Je saisis. Je vais descendre et en même temps, je fais mon inversion. Alors attention, c'est pareil. Il faut que le gars il soit bien en train de mettre la pression ici. Mets un peu la pression. Et ça part tout seul. Si il est toujours sur l'arrière, c'est pas le moment. Mets-toi sur l'arrière, tire sur l'arrière. C'est pas le moment. D'accord? Donc c'est à vous de sentir ça. D'accord? 1, regardez mes hanches. Comme tout à l'heure. J'ouvre le petit barrage. Et je vous relâche. On y va? Allez, c'est parti. Ça, c'est parti. Sweep. Si tout votre corps n'est pas donnant, je m'explique. Si je suis là et que je descends et que je fais ça, oui, je vais peut-être renverser comme ça parce que Teddy, il est gentil encore, je le fais mal, je n'ai pas l'habitude de faire comme vous. C'est-à-dire que vous restez là et votre corps, il veut renverser par là. Comment c'est possible? C'est impossible. J'en vois plein faire ça. Je suis ici, je pose et c'est tout mon corps, corps, esprit, qui vient avec lui. Je veux aller par là, alors je vais, j'y vais. Il y en a qui restent là. Pourquoi? Je ne comprends pas. Autre chose, ce crochet-là, là. Si vous faites ça, vous le lâchez, vous faites ça, et qu'est-ce que c'est un ciseau, c'est quoi? Donc, le pied, vous me le gardez, regardez-moi. Je suis ici, je le garde. Le crochet, il est toujours là. C'est ça qui me sert. Voilà, vous voyez? Il était là, et il est là. Et c'est ça qui me sert à renverser. Donc, si vous le négligez, ce n'est plus bon. Donc, s'il vous plaît, gardez les bases en tête, c'est-à-dire, je suis ici, je pousse, et je peux ramener ma hanche pour être au plus près parce que le centre de gravité est proche. Si je suis loin, je ne peux plus renverser. Donc je suis au plus près, il pousse sur l'avant et ça part tout seul. D'accord? Mais mon corps, il vient avec. C'est bon pour ça? Allez, 2 secondes. Allez, vite.